Vincent. C'est ça qui nous intéresse. Là où les gens vous ont mis vos finances. Là où sont allés mettre ta vie. C'est ça qui nous intéresse. Lazare est mort, c'est fini. Pour la famille, c'est fini. On n'en parle plus, c'est fini. C'est une histoire qui est clos. C'est-à-dire, c'est fini. On ne parle plus de ça. Ils ont même dit à Jésus, ça va, il sent déjà. C'est bon. Tu as bien pleuré, on sait maintenant que tu l'aimais. C'est vrai, c'était une erreur de ta part, tu n'es pas vite venu. Mais on sait que tu es plein de compassion, tu l'aimes. Il dit, vous l'avez mis, mais il est dans la tombe. Jésus, quand quelqu'un met, on le met où? C'est pas ce qu'il fait. Ah, ok. Jésus arrive. Il dit, non, c'est pas la peine, tu vois. C'est même pas la peine d'évangile, sinon les odeurs vont prendre. Vous voyez, il y a des gens qui croient même plus en vous. Non. Même vos prières ne croient pas. Mais c'est là où tu es arrivé dans cette vallée. De toute façon, tu as chuté. Non. Tu ne vas plus jamais te relever. Et c'est visible. Parce que les sorciers là où ils t'ont mis là, c'est fini. Tu ne peux pas. Or, ce que le diable oublie, c'est que Dieu là, dans son langage, impossible, ce n'est pas dans son vocabulaire. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est impossible, ça n'existe pas chez Dieu. Amen. Il est un Dieu de miracles. Or, le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Sauf ça qu'avec Dieu, il faut croire. Jésus a beau expliquer la chose à Marie et Marthe, les soeurs de Lazare, non, ils ne croyaient pas. Donc Jésus était obligé de faire sortir Lazare. Il était dans une vallée. Je suis allé, j'ai pris le passeport, j'ai appelé celui à qui ça appartenait, au neveu du sorcier en question. Il arrive, pendant les week-ends au village, il travaillait au ministère des économies et finances en Côte d'Ivoire. Il devait partir en Angleterre pour pousser ses études et tout ça. Il avait déjà une bourse, tout ça. Après, on nous réquise. Mais il a tous les papiers. Hein? Et pour une merde. Il allait sur ton nom, comment tu regardes, tu sais que ça, là, c'est sorcellerie. Ils ont bouclé. Oh, le diable de la famille, le sorcier. Il allait prendre le passeport. Oh, le monsieur, lui, il va faire des mondes bizarres. Il va être content. Le conseil, il y a ça, il ne voit pas vrai parce que. Ok, il a attendu 6 mois. Peut-être le conseil, peut-être que les papiers, c'est pas bien, il est bien arrangé, il met en ordre. Oh. Il revient. Non, il ne va pas voyager. Mais quelqu'un, ton pasteur se trouve dans une tombe. Ça fait comment? Ça dit, t'es mort, c'est fini. J'ai le passeport. J'appelle le monsieur, vient. J'ai un entretien avec la famille. J'ai même demandé de qui venait le passeport, son passeport. Ce qui m'intéressait, c'est que j'ai regardé les deux passeports identiques. J'ai coulé les larmes. J'ai dit, les sorciers n'ont pas. Non. Ils sont terribles. Je dis pas fort, ils sont terribles. Ils sont terribles. Pas fort. Ils sont terribles. Je l'ai avec le passeport. Et puis je dors. Le passeport qu'on a pris de la tombe, monsieur. C'est le vrai passeport. Il regarde. Il regarde. Lui, il est étonné. Il me pose la question. Qu'est-ce que ça fait, c'est son passeport? C'est quoi ça? La même date. Il regarde. Je lui dis, monsieur, moi-même là. Je n'ai même pas de mots pour t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer. Voici lui là. Il n'a rien à t'expliquer. Ben moi, je ne sais pas comment expliquer la chose. Il aborde le sujet. Or, oh, le neveu en question là, c'est lui qui fait tout le monde. Ça délire. Les sorciers sont très, très ingrats. Quand on commençait à causer, tu m'as rien fait quoi? À cause de petit, tu m'envoies tous les fins du mois là, petit. Petit truc là. C'est à cause de ça que tu parles pour tout 6 mois comme ça. Tu vas parler 6 mois, hein? Toi, tu m'as rien fait quoi? C'est un grand, même c'est petit, c'est quelque chose. Ça t'a apporté quelque chose au monde. L'ingratitude, ils sont très ingrats. C'est ça qu'ils ont besoin de manger. Ah, ils te prennent des manger. Or, c'est ça. J'écoutais les aveux du petit, même j'étais même habitué, donc j'écoutais ses aveux, ça me choque,
les sorciers créent une situation dans le cœur du Béti pour qu'il n'ait plus l'amour de sa mère. Or, le neveu, celui qui aidait l'oncle en question, il a dit, mais je t'envoie l'argent. C'est comme ils font tous les fins de mois. Je t'envoie un sac de riz. Tu es mon père. Ton frère, t'as mon papa, il est mort. C'est toi qui représente mon papa. Je t'envoie tout ça. Je t'ai fait quoi? Il pose la question au sorcier. Il dit rien, mais c'est comme ça qu'on appelle la sorcière. Donc là, je t'ai appelé séparé, pas là. Du coup, j'ai vu le neveu sur le papa. Et puis j'ai dit au neveu, si tu veux régler ça, un pour le point, le vieux là, il va te manger. Alors on a commencé par là. La Bible dit, c'est ni par la force, ni par l'intelligence. Si tu veux faire par là, je veux tu vois là. Si on dit paix, c'est des os on va trouver ici. Manger à quitter. Tu vas comprendre ici. Et puis on a commencé à régler le problème. C'est là, lui il a compris. La sorcellerie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à dire, il dit, c'est vrai, comme ce sont des aveux, j'ai fini mes aveux, j'avais de l'argent, 5 millions dans ton placard. Il dit, je ne vois pas. Il dit, bon, ok, à quoi de ça t'as mis ton enfant en prison un jour? Parce que oui, il y a de l'argent qui a été enlevé, soutiré des noms. Il dit, oui, ouais. Il dit, c'est moi. Il m'a dit, mais c'est fini. Que lui, il ne croyait pas à la sorcellerie. Il ne croyait pas à la sorcellerie. Donc c'est comme ça les sorciers travaillent. Amen. Amen. C'est ça. Or le diable va commencer à vous dire que est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Est-ce que ma mère peut être sorcière? Amen. Amen. Dès qu'on a fini l'action, il allait refaire son visa, il a eu le visa, il est parti. C'est fini, il est parti. Pourquoi? La chose a été réglée sur le plan. C'est fini, c'est réglé. Ça vient d'être réglé. Alléluia. Amen. La vallée. Tu te retrouves aujourd'hui dans une vallée. Aujourd'hui, tout est bloqué. Tu n'existes que de nom. C'est ton nom seulement, sinon toi-même, au fond de toi, tu sais que ça ne va plus, tu es mort. C'est fini. Tu n'as plus de dignité, tout est sec. Tout est fermé. Parce que tu as fait une chute. Quelqu'un venait te pousser, de te retrouver dans la vallée. Et c'est difficile de t'en sortir. Or, dans la vallée, c'est difficile. Même pour se repositionner, on retombe. Parce que pour atteindre le sommet, là, c'est grave. Amen. Or, quand vous arrivez sur ce terrain, le diable va commencer à mettre quelque chose en vous. Très dangereux. Vous allez commencer à perdre la confiance en vous-même. Vous n'allez plus croire en vous. C'est ça qui est plus dangereux. Vous regardez la situation. Non, moi je suis convaincu que je ne pourrai jamais m'en sortir. Parce que les dettes là, non, je ne pourrai jamais m'en sortir. Ce qui se passe là, je ne pourrai plus. Mais regardez l'intervention. Quand Dieu a commencé à intervenir dans la vie de l'homme, il dit, qu'est-ce que toi-même tu crois que... C'est ça le problème. Est-ce que toi-même tu penses que Dieu peut faire quelque chose? Amen. Est-ce que tu penses que Dieu pourra faire quelque chose pour toi? Alors il va dire Ézéchiel prophétise. Amen. Si tu penses que Dieu peut faire quelque chose, tu vas commencer toi-même à parler. Si les instruments te sécher, tu vas commencer à parler. Si c'est quelqu'un qui te sécher dans ta vie, ton foyer, ton argent, ta maison, tes finances, tu vas commencer à parler pour que cela puisse prendre. Nous allons nous tenir debout ce matin. Beaucoup de choses ont été desséchées dans ta vie. Le diable a desséché plein de choses dans ta vie. On va commencer à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit à son miracle? Amen. Qui croit à son miracle? Amen. Amen. On come on was in it. I got Gilina well you, yeah. Gilina well you. On come on was in it. I got Gilina well you.
Oui, il faut commencer à parler, communiquer la vie, invoquer le nom de Dieu des armées, afin de pouvoir décanter ta situation. Je vois tout le monde en train de prier ça. Nous ouvrons la paix. Thank you.
Conduit dans la vallée. Je vais parler à ce mauvais esprit, le pouvoir de la sorcellerie. Je commande aux esprits de lâcher ta vie et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande de lâcher sa vie dans le nom de Jésus. Et je brise les chaînes de l'esclavage spirituel. Et pendant que ta main s'impose à ta tête, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi te visiter, femme. Je sens que Dieu est en train de te délivrer maintenant. La puissance de Dieu te délivre maintenant. La puissance de Dieu te délivre maintenant. La puissance de Dieu, au nom de Jésus. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Elle te libère maintenant même. Elle te libère maintenant. Elle te libère maintenant. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance maintenant même. Recevez la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les sorciers se sont ligués contre toi.
Ils ont décidé de nuire à ta vie. Ils ont décidé de mettre fin à ta vie. Mais Dieu, dans sa souveraineté, cette programmation faite sur toi est annulée maintenant même. J'annule la programmation de mort sur toi. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi et te libère maintenant. Mon Dieu m'a libéré. Ils sont tombés maintenant au nom de Jésus. Ils sont tombés maintenant au nom de Jésus. Libère ma vie. Reçois la bénédiction de Dieu. Libère mon âme. Jésus-Christ te délivre maintenant. Mon Jésus te délivre maintenant. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Elle te délivre maintenant. Elle te délivre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu vous libère. Au nom de Jésus. Je sens comme un impact quand on est défilé au niveau de ta poitrine. Touche ta poitrine comme ça. Lâchez-la. Vous m'entendez? Lâche ta poitrine. Feu! Au nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la. Je maudis ta présence. Lâche ta vie. Lâche ta vie. Oui. Lâchez-la. Au nom de Jésus. 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 Le feu consume vos œufs dans cet or. Le feu de Dieu consume vos œufs dans cet or. Oui, lâche-la. Lâchez-la. 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 Lâche-la, au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Quitte sa vie. Lâche-la, au nom de Jésus. Oui, libère-la maintenant. Là. C'est un homme. Lâche-la. 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 Libérez sa vie maintenant. Libérez sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Détruis ton pouvoir dans ce corps. Au nom de Jésus, lâchez-la. Et maintenant, là, dans le nom de Jésus, oui, lâche-la. Oui, lâche-la. Oui, lâche-la. Lâche-la. Je proclame ta délivrance maintenant. Je proclame ta délivrance. Oui, ta délivrance dans le nom de Jésus. 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 En le nom de Jésus, je proclame ta délivrance maintenant. En puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame ta délivrance. Le Saint-Esprit te libère maintenant. Le Saint-Esprit te libère. La puissance de Dieu te libère maintenant. La puissance de Jésus te délivre maintenant. Et soit ta délivrance. Je
délivre. Oui, Dieu te délivre. Sa puissance te libère. Lâche-le. Tu vas partir en libérant ce corps. Lâche-la, oui, lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez sa vie maintenant même. Lâchez totalement sa vie. Dans le nom de Jésus. Libérez-la maintenant. Dans le nom de Jésus. Libérez-la. Au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Libérez-la. Libérez-la maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Tu lâches sa vie maintenant. Vous libérez totalement sa vie. Lâchez-la. Vous quittez ce corps maintenant même. C'est un ordre. Oui, lâche-la. Oui, va-t'en. 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 C'est un ordre. Tu libères sa vie maintenant même. Va-t'en au nom de Jésus. Tu libères sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Libère-la. Maintenant, lâche-la. 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 Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Je détruis ton pouvoir. Lâche-la. Oui, va-t'en. Va-t'en. Lâche-la. Au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Lâche-la. Lâche-la. Tu m'entends? Libère. Libère sa vie et maintenant même. Dans le nom de Jésus. Tu la libères et maintenant même. Au nom de Jésus. Tu libères sa vie et maintenant. Lâche-la. 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 Je détruis ton pouvoir. Tu la libères maintenant. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus te délivre. Maintenant. Amen. Amen. Touche-la. Lève-toi. Ça va? Tu as senti quoi? Ça va? Tu as vu quoi? Tu as senti quoi? Comment? Ok. Va-t'en. 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 Va-t'en et libère sa vie. Va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et libère totalement sa vie. Libère sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Tu la libères maintenant même. Dans le nom de Jésus. Tu libères totalement sa vie. Au nom de Jésus. Tu libères totalement sa vie au nom de Jésus. Tu libères totalement sa vie. Dans la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu as vu? Je sentais la faiblesse. Ouais. La faiblesse au niveau de mon corps. De ton corps. Ouais. C'est la faiblesse qui quitte dans mon corps. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus veut te guérir. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais prendre mon temps ce matin, je vais commencer à recevoir des personnes.
Le soir encore, nous allons encore prier. Mais tout à l'heure, ce matin, vers 10h, nous allons prier pour tous les malades. Nous allons vous imposer les mains. Et il y aura des biens d'huile. On aura l'occasion tout à l'heure. Madame, comment vous appelez? Oui. Oui, mais pendant que je parlais tout à l'heure, j'ai vu ta tête ennemie comme un vent. J'ai un doubi. Mais tout à l'heure, on va régler ça, d'accord? Ta tête est devenue comme baron. Voilà. Moi, je soigne. T'as compris? Ce que tu as là, moi, je soigne ça. Amen. Amen. Ici, nous délivrons les gens de la sorcellerie. Amen. Quand tu es ici, tu ne peux pas t'envoler. Tu vas vouloir essayer, je vois. Oh, je l'ai banalisé parce que tu n'es rien. Amen. Non, tu n'es rien. On n'a jamais frappé un sorcier ici. C'est le sorcier lui-même qui se frappe. Amen. Quand il refuse de parler, il s'en va. On appelle Mortani. Il va là-bas. C'est pas à côté du Maroc là. Notre Mortani là. Ça va, c'est les morts. Sinon, c'est pas si les Mauritaniens près du Maroc. Non. D'autres Mauritaniens.